Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la Cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydre. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, faut réfléchir. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. L'opération du noir a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah merde! On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. Mort.
vais devoir faire vite. Ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Ouais. C'est con, on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. QG, ici l'équipe Gamma. Où sont-ils ? QG à l'avant-poste. Répondez. Avant-poste, vous êtes là ? L'inspecteur arrive. Soyez prêts. Presque chargé. Viennent juste d'arriver. On les transférera un peu plus loin ce soir. Voilà d'autres. Arrêtez! Ne les faites pas de mal. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. Michel, donnez-la-moi. Elle est à l'abri.
n'aurais jamais cru un instant que vous la prendriez. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous! Vous auriez fait la même chose! Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle nous consume. Oh!
J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hé ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Miguel, y'a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Thank you.
Ça pourra servir. Je vais garder ça pour plus tard. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Des singes hurleurs. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Léo ! Jonah ? Miguel ? Vous m'entendez ? Vous êtes où ? Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Peut-être un bout de métal de l'épave. C'est pas vrai. C'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. C'est pas mal, ça. Mais il m'en faudrait plus. C'est pile ce que je cherchais. Il m'en faut juste un peu plus.
J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ça devrait être assez coupant. Le conteneur est encore retenu par un truc. Ah, voilà. Il y avait une autre corde. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miguel, où tu es ? Merde ! Miguel ? J'aime pas ça. Miguel ? Où tu es ? Oh non. Miguel ? Miguel ?